Et que fait le gouvernement canadien pendant ce temps-là? Depuis l'élection des conservateurs à Ottawa, c'est une honte pour le peuple canadien, le peuple québécois, la politique du gouvernement canadien à l'égard de la Palestine, une politique pro-Israël sans aucune nuance. Il faut continuer à dénoncer cela. Le gouvernement canadien est complice de ce qui se passe sur le territoire palestinien, est complice de la violation des droits humains, est complice des assassinats qui se passent contre les Palestiniens. Et ça, c'est inacceptable dans un pays qui se veut démocratique. Et on va s'occuper de ça aux prochaines élections. Refuse la Palestine comme ayant un droit d'observateur non membre à l'ONU. Ça, c'est le gouvernement canadien. Signe des déclarations d'amitié après des attaques sauvages d'Israël à Gaza. Signe des partenariats sans arrêt avec Israël pour améliorer le partenariat économique à l'encontre des intérêts et des droits des Palestiniens. On ne laissera pas faire ça. Le gouvernement canadien qui a adopté, qui a mis sur la table le projet de loi C-51. Qu'est-ce qu'il vise, ce projet de loi-là? Il vise à criminaliser des groupes qui font des actions politiques et notamment vise à criminaliser les groupes qui veulent appuyer la campagne BDS au Québec par de nombreux groupes sociaux. Bien, on ne laissera pas faire ça non plus parce qu'on va la tenir, cette campagne BDS-là, et la CSN vient d'y adhérer. Les camarades palestiniennes et palestiniens, votre lutte est exemplaire. Vous avez une persévérance, une détermination qui est exemplaire pour votre peuple, mais pour l'ensemble des peuples du monde entier. Vous menez une lutte exemplaire. Et on va être là pour vous appuyer jusqu'à ce que vous puissiez retrouver votre liberté, retrouver vos terres, que vous puissiez vivre en liberté sur le territoire de la Palestine. La CSN va être avec vous. Solidarité, camarades. Oh, mon ami, maintenant, c'est M. Kadouri, c'est le candidat du Bloc québécois au Laval. Mon nom est Moubarak Kadouri, mais pour les élections, on a utilisé une abréviation Barak Kadouri. À Laval, ils disent le Barak Obama de Laval. Ok. Donc, d'abord, je remercie les organisateurs de m'accorder cette opportunité. J'ai fouillé partout pour trouver une résolution des Nations Unies qui a enlevé le nom de État palestinien. Il n'y a aucune résolution qui a enlevé le nom ou bien qui a radié l'État de la Palestine. Maintenant, la Palestine se bat pour se faire reconnaître et malheureusement, le Canada n'est pas dans ce jeu politique. Le Canada, le gouvernement canadien a choisi de travailler avec l'autre partie. Le Bloc québécois était toujours auprès des Palestiniens et sera toujours, c'est une obligation pour nous, et c'est de la cohérence. L'autodétermination de la Palestine, l'autodétermination du Québec aussi. Donc, c'est même pas discutable. Alors, et je rêve un jour, justement, de mobiliser les artistes comme ils étaient mobilisés pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, justement, était libérée de l'apartheid avec une mobilisation des artistes au monde. Et là, je vois qu'il y a eu beaucoup de sympathisants pour cette marche, justement. Il faut que les associations palestiniennes augmentent ce nombre d'activités pour mobiliser un peu plus et de réaliser l'autodétermination de la Palestine. On sait qu'on a légitimé des monstres. On leur donne le nom d'État, l'État islamique. Même les médias, les journalistes, on parle d'un État fantôme, alors qu'un État qui existe,
Il n'y a aucune résolution des Nations Unies qui a enlevé le nom d'État de la Palestine. Et en ce moment, on se bat et le Bloc fera un devoir de déposer justement une résolution au Parlement canadien de la reconnaissance de l'État de la Palestine. C'est une promesse et ça sera respecté. En ce moment, les autres partis, d'ailleurs on ne les voit pas ici présents, mais ils sont présents sur des débats mineurs, de diversion, des débats stratégiques et pas sur un enjeu majeur comme la reconnaissance de l'État de la Palestine. Donc je vous invite, il y a une campagne électorale, de poser une question dans les porte-à-porte. C'est quoi la position des partis par rapport à la Palestine? Si répondent à cette question, votez pour eux, votez pas pour le Bloc. Okay? Si vous avez une réponse concrète, je vous invite à respecter les partis qui se prononcent pour la Palestine. Donc, sans répéter la phrase d'un grand, je vais dire vive la Palestine libre et merci à l'association de m'accorder cette opportunité. Bonne journée. Bravo. Merci beaucoup, notre ami. Maintenant, c'est monsieur Alex de la Partie Verte du Québec. Bonjour tout le monde. J'aimerais remercier les organisateurs. C'est vraiment un profond honneur de prendre parole aujourd'hui. Moi, je suis le chef du Parti Vert du Québec depuis près de 2 ans. Le Parti Vert du Québec, c'est un parti qui respecte beaucoup l'environnement, respecte la diversité, les libertés civiles et lutte pour la paix mondiale. Dans cette campagne électorale fédérale, nous avons vu beaucoup de partis faire recours à l'islamophobie. C'est très semblable à ce qu'on a vu dans l'élection québécoise 2014. Je trouve que c'est vraiment malheureux que les gens prennent ces tactiques de division pour tenter de faire de la petite politique. Selon moi, cette islamophobie est manufacturée par certains partis politiques à des fins électorales et on le dénonce avec vigueur au Parti vert du Québec. Nous voulons travailler vraiment vers une société plus tolérant de la diversité, où c'est que la diversité du Québec est célébrée à tous les niveaux, y compris religieuse. Nous comprenons aussi le fait que la Palestine est victime d'une oppression coloniale de l'État d'Israël. C'est vraiment quelque chose qui nous bouleverse beaucoup. C'est quelque chose de très semblable de ce qu'on a vu ici avec les peuples autochtones. Donc c'est une lutte qui va peut-être prendre très longtemps, mais qu'un jour, je crois sincèrement, on va pouvoir réussir avoir la paix dans le Moyen-Orient et de corriger des torts historiques ici au Québec et au Canada pour les peuples autochtones. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Puis, lâchez pas avec les partis fédéraux de faire valoir vos points et de tenter d'influencer le débat pour la paix. Merci. Merci beaucoup, notre ami Alex. Et maintenant, c'est notre ami Samir Mazoub, le président de la Canadian Muslim Fund. Assalamu alaikum for all. It is a pleasure to have you all around us today. It is a pleasure for myself to be part of you. When we speak about Palestine, we speak about history, heritage, we speak about today, and we speak about the future. Palestine is the only land on earth that unites all faith, from Moses to Jesus to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. Palestine is the only place that unites the hearts and the minds of human rights advocates, civil liberty advocates, and peace lovers. Palestine is the only place in the world that's still under occupation. Palestinians are the only people still struggling to be recognized for self-determination. Palestinians in Gaza and other places is the only population on earth that is under siege that no one can tolerate. And unfortunately, the whole world is turning a blind eye. This is what all about Palestine that we try to forget, or the media try to make us forget. We will never forget Palestine. We will never forget Palestine. We will never forget Palestine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, c'est Monsieur Creux, c'est le Pajou, Palestinian Jewish United. Il
Je serai bref, ce qui est inhabituel pour moi, mais on ne me donne que 2 minutes, fait que je dirai assez rapidement ce que je voulais dire. Merci à tout le monde d'être venu ici aujourd'hui, parce que ce qu'on célèbre aujourd'hui, c'est la culture palestinienne. Et la vitalité de la culture palestinienne est en soi même un acte de résistance. Alors, il est extrêmement important qu'on fête cette culture d'un peuple noble qui devient pour le monde entier l'exemple de la résistance de tous les peuples opprimés face à des intérêts impérialistes, parce que ces intérêts sont toujours là et ils sont toujours impérialistes. Donc c'est le dernier projet colonial dont les Palestiniens sont les victimes d'un processus de nettoyage ethnique qui existe depuis 1948. Ça n'a pas commencé en 67, ça a commencé en 48. Alors, quand j'étais en Cisjordanie en 2010, c'était très clair, tel qu'exprimé par les Palestiniens et surtout les jeunes Palestiniens et Palestiniennes, et les étudiants et étudiantes que j'ai rencontrés à Jenin et ailleurs, ils se tiennent à leur culture, ils se tiennent à l'éducation et ils reconnaissent dans leur culture le véhicule de leur libération. Donc, je vous félicite d'être ici aujourd'hui. Je félicite les organisateurs de ce festival culturel, surtout Tariq Taha, qui est un homme d'une valeur inestimable, qui travaille arrache-pied pour son peuple. Et il mérite d'être applaudi pour ses efforts. J'aimerais juste terminer en vous disant ceci. L'organisation BDS Québec a lancé une campagne électorale dont vous voyez on l'a couvert, la pancarte qui est là, qui dit que Israël assassine les enfants palestiniens. En fin de compte, c'est factuel, c'est pas une exagération. Il y a 2000 enfants palestiniens qui ont été tués depuis 13 ans, dont 550 l'été dernier à Gaza. On dit aussi « Harper applaudit » au sens figuré, oui. Et qu'en disent les autres partis? Ben, ils disent à peu près la même chose que Harper. Je voulais vous signaler le fait qu'il y a des travailleurs de la ville de Montréal et actuellement qui arrachent nos pancartes un peu partout sur l'ordre de la ville de Montréal et que c'est une transgression de la loi électorale du Canada parce que BDS Québec a été enregistré avec Élections Canada. On a le droit d'afficher ces pancartes-là et je vous dis ceci, dernier mot, on va poursuivre la ville de Montréal au sein des Élections Canada, ça c'est sûr et certain. Si Coderre pense qu'on va tout simplement accepter ça en s'étendant à terre, non, on va se rester debout comme le peuple palestinien. Merci. Maintenant, c'est avec M. Rachid de la Fédération canadienne musulmane. Salam, c'est Rachid Boudjara de la Fédération des, Cana-